Salut Alexandre. Ah, ça me fait bizarre de te voir en vrai. C'est vrai? Ouais. Tu pensais que c'était un canular? Non, non, du tout, même pas une seule seconde. Non, non. Ouais, donc t'es fan de sport en fait? Fan de sport en général. Salut à toutes et à tous. Dans le documentaire La quinzaine de la haine, diffusée par l'équipe Explore, il y a une rencontre, une séquence qui vous a particulièrement marqué, c'est cet échange entre Pierre Hugerbert et Alexandre, ce parieur qui insulte parfois les joueuses et les joueurs de tennis sur les réseaux sociaux. Nadal, sale merde. Badoza, nique ta mère. Parmi ses souffres-douleurs, le français Pierre Hugerbert. Herbert, mais quelle énorme merde. Je vais essayer dans cette vidéo de répondre aux questions et aux commentaires les plus fréquents sur cette rencontre. Pour commencer, vous nous avez demandé pourquoi l'avoir organisée. Bien, la première raison, c'est une prise de conscience nécessaire. On voulait comprendre. Comprendre pourquoi une phrase sur Internet qui est totalement désincarnée, eh bien en fait, il y a de l'humain des deux côtés de l'écran. On voulait comprendre surtout pourquoi un parieur frustré verse dans l'insulte. Et surtout, est-ce qu'il a conscience de ce que cela suscite chez le joueur ou chez la joueuse qu'il a insulté ? La confrontation, elle crée un moment où ces deux questions convergent. Et grâce à cet échange, selon moi, on arrive réellement au cœur de cette problématique, humainement parlant. En tout cas, sache que on fait pas exprès sur le terrain. Ça, c'est clair que... Ah, tu te poses des questions, tu vois. Il est pas sûr. La deuxième raison, c'est parce qu'on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu une rencontre comme ça. Et c'est une de nos ambitions chez CIA Productions, c'est de proposer du contenu totalement inédit. Moi, dès le début du projet, j'avais cette idée en tête. Je voulais absolument mettre sur pied cette rencontre avec deux écueils majeurs, hein, bien sûr, obtenir un accord d'un joueur, ce qui n'a pas été très difficile puisque Pierre Hugerbert nous a donné très vite son assentiment. Et la deuxième partie, beaucoup plus compliquée, trouver un parieur qui accepte de témoigner à visage découvert. C'était une condition sine qua non pour moi. Donc on a cherché, on a écumé les réseaux sociaux et notamment Twitter. Il y a Margot Baltus qui a beaucoup collaboré avec nous sur ce projet, qui a finalement identifié le profil d'Alexandre. On l'a rencontré en off, sans caméra. Il a accepté, on l'en remercie beaucoup d'ailleurs. Et ensuite, on a organisé cette rencontre. Vous êtes assez nombreux également à vous étonner du calme de Pierre Hugerbert dans la vidéo. Faire ça sur les réseaux, je trouve ça personnellement, moi, pitoyable. Vous nous l'avez beaucoup répété. Alors, sachez déjà que c'est son caractère. À la base, il est placide, assez réfléchi. Ce qui ne l'empêche pas, selon moi, de dire vraiment ce qu'il pense dans la vidéo. Il explique à Alexandre qu'il trouve son attitude pitoyable. Il se fiche éperdument de savoir quel montant il a perdu sur les paris. Et selon moi, ça a une vertu, en fait, cette attitude de Pierre Hugerbert. C'est que ça donne un ton calme, posé, intelligible, qui donne encore plus de sens à cette séquence, dans la mesure où les opinions, elles sont exprimées dans la longueur et elles ne sont pas entravées par de l'agressivité. Et puis dernière question, pourquoi faire ça? Pourquoi finalement donner la parole à un type pareil? Est-ce que c'est pas contre-productif? Vous avez beaucoup exprimé cette opinion. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour une raison simple, c'est que je ne suis pas juge, je suis journaliste. Et le but, c'est de donner à tous les gens comme vous qui regardent nos documentaires des clés de compréhension. Et d'ailleurs, la conclusion, elle est assez étonnante, parce que si vous regardez la séquence jusqu'au bout, malgré les explications de Pierre Hugerbert, Alexandre, lui, il dit qu'il va continuer, qu'il va peut-être légèrement modérer ses insultes et qu'il se limitera à chèvre. C'est pour moi la phrase du documentaire, mais c'est une information. Ça veut dire que cette rencontre, on n'est pas sûr qu'elle l'ait fait réellement changer. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations majeures. On se retrouve très vite sur CIA Productions pour d'autres documentaires et donc d'autres sessions de questions-réponses comme celle-ci.